Eh bien, yo tout le monde, c'est Sean Kazma, bienvenue pour ce nouvel épisode de Batman Arkham Origins. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Ce soir les amis, je vous retrouve en compagnie de la chauve-souris pour notre mission. Nous devons traquer le pingouin. Mais avant toute chose, j'aimerais me faire ces deux espèces de bolos qui traînent dans la nuit tout seul. Bonjour messieurs, boum, 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 ça va me permettre de m'échauffer et voilà. Tu te couches. Voilà, donc c'est bien ce que j'avais dit la dernière fois. C'est gâchette plus Y pour achever à terre. C'est juste qu'il faut réussir à l'enchaîner et ça c'est un peu plus dur. Boum, boum, boum. Et reboum. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, nous devons traquer le pingouin. Direction le pingouin. Alors, le pingouin est à je ne sais combien de mètres. J'utilise le grappin. On accélère. Non, je suis content d'avoir du boulot. Mais tu trouves pas ça étrange? On n'a jamais vu ce mec, ni entendu sa voix. On reçoit juste des messages anonymes. Excusez-moi. Désolé de vous interrompre. Je ne faisais que passer. J'ai vu que vous étiez en train de discuter de quelque chose d'intéressant. Est-ce que je pourrais en savoir plus? Yop, place. Kiv, j'enchaîne, j'enchaîne. Boum, boum. Reboum, 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 esquive, tac tac tac. Bon, en même temps, je dis boum boum boum, esquive, 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 mais je fais pas plus de combos que ça. Hein. Je suis désolé, j'arrive vraiment pas à enchaîner les combos dans ce Batman. Je sais pas s'ils ont complètement changé le gameplay ou quoi, mais j'arrive pas. Je sais pas. Regardez, mon truc de combo ne va pas au-dessus de 12, c'est dingue. Bon, tant pis. Tiens, tiens, voyez qui est là. Tu as vraiment décidé de m'affronter? Alors remue-toi, j'ai tellement hâte de te voir échouer. Oh là là mon gars, si tu crois véritablement que je vais échouer, je suis la nuit, je suis la chauve-souris, je suis l'ombre de tes problèmes. Et je dois utiliser le batarang télécommandé. Ah oui d'accord, je vois, il faut que je passe là-dedans, bim, contrôle, ah, il a le même défaut que dans les anciens Batman. Je m'explique, les commandes avec le batarang sont complètement inversées. Et donc c'est un peu... Bim! Ah là, je l'ai eu. Donc maintenant je devrais pouvoir rentrer. Alors. Voilà, parfait. Plus qu'à forcer la porte et désactiver le panneau de contrôle. Tu sais, si tu l'avais demandé gentiment, je l'aurais ouverte pour toi. Oui, mais je préfère faire ça à la barbare. Ça impose plus de respect à l'ennemi. Mais félicitations, Batman. Tu n'es peut-être pas aussi débile qu'on me l'a fait croire. Pourquoi est-ce que tu fais ça, Enigma? T'es direct? Ça me plaît. Je vais te dire. Gotham est souillé, rempli de brutes qui contrôlent la ville par la violence et l'intimidation. Tu n'as pas répondu à ma question. Parce que tu m'as coupé la parole. Je veux me débarrasser de Batman. Dans le but d'améliorer la morale et le QI dans Gotham. Je ne suis pas un voyou comme toi. Mon style est un peu plus... raffiné. Ce que tu fais n'est rien d'autre que du vol. Il n'y a rien de raffiné dans tout ça. Ta réponse est aussi prévisible que banale. Au revoir. Eh gnagnagna, ta réponse est aussi prévisible que banale. Gnagnagna. Bien. Je peux accéder à la carte SIM que j'ai prise au vendeur d'armes et pirater les communications du pingouin. Ah, parfait. Donc, d'accord, position localisée, je décolle. Le pingouin a mal digéré que la corde soit tombée à l'eau. Ouais, si j'étais impliqué là-dedans, je serais déjà loin de la ville. Alfred, je capte un signal des ondes du pingouin, mais il n'est associé à aucune fréquence sans fil connue. En effet, je le vois ici. On dirait que le pingouin gère son propre réseau sans fil à l'aide de transmetteurs sur des ordinateurs portables qui servent de bornes. Il donne les fréquences à ses hommes via une radio bi-bande. Il y a deux stations de ce type près de votre position. Bien, indiquez-les sur ma carte. Si je peux trouver ces talkie-walkie et les pirater, je pourrai repérer la position du pingouin. Je vois, donc nous devons récupérer la première carte SIM pour trianguler la position du pingouin. Ok, d'accord, tout à fait. Alors, voyons voir. Première destination, je ne sais pas du tout c'est où, mais étant donné que... Ah, ça y est, je vois la flèche. Et c'est pas la porte à côté. Bon, bah, je pense pas qu'on va planer jusque là-bas, mais on va essayer au moins de faire une bonne route comme ça. Mal au ventre. Mal, t'aurais pas dû bouffer ces machins dans la poubelle. Je t'ai dit que ça schlinguait. Je suis censé faire quoi, alors? C'est bien ce que je crois. Oui, c'est moi, je suis la nuit. Je suis Batou. Je suis l'ombre de la justice. Je suis Batman, quoi.
Ouais, c'est encore un peu loin. Par contre, cette tour me dit quelque chose. Est-ce que j'y étais pas déjà passé dans Batman Arkham City? Ouais, ça me dit quelque chose avec le Joker. Ou alors c'est peut-être moi. Je sais plus. Je sais plus. Ah, l'arbre de la vitesse sur le pont. Parfait. Ok, je vais t'arriver. C'est juste de l'autre côté. On plane une dernière fois. Et voilà. Là, normalement, je suis arrivé. Déchirerai tout au boiler deck l'an prochain. J'ai commencé à me renseigner sur les choses. Tu ne croiras jamais. Merde, trompé de touche. Excusez-moi. Ah, bombe fumigène. Non. Purée. Je voulais juste la bombe fumigène. Comment j'utilise la bombe fumigène déjà? Non, c'est pas ça la bombe fumigène. C'est pas ça. C'est pas ça. Bon, tant pis, j'y arrive pas. Ok, c'est l'heure du combat. Esquive. Boum, boum, boum. Faut vraiment que je m'y fasse aux touches. À changer de jeu comme ça tous les 5 minutes. Je m'y fais plus avec le gameplay. Yop là. Surtout que Batman a un gameplay un peu plus compliqué que les autres. Va falloir s'y faire. Autant pour GTA, ça passe tranquille. Pour Uncharted, c'est pas bien compliqué non plus. Par contre, pour celui-là, ouf, ça demande de la maîtrise. Esquive, bouf, rebouf, esquive, aïe. Méchant, monsieur. Alors, toi, mon gogo, boum. Et voilà. Alors, utiliser le batarang rapide 3 fois pendant un combat. Bien, ça, je l'ai fait. Ensuite. Cet ordinateur. Ouh, le Toki juste à côté. Alors, voyons voir. Maintenant que j'ai localisé. Batman, tu t'attends à ce que je gobe ça? Écoute, je dois trouver la prochaine station de communication. Ensuite, je pourrai trouver la position du pingouin. De gêner notre livraison. Par exemple, sauver sa peau. Alors la prochaine fois que tu veux raconter des conneries, trouve quelqu'un d'encore plus débile que toi. Oh, attends, c'est vrai. Il n'y a personne qui soit plus débile que toi. Monsieur Cobblepot, je vous jure que c'était Batman. Il a lâché Ricky depuis le toit de l'horloge en plein sur le sapin de Noël. Je me fous de savoir ce que tu crois avoir vu. Si tu n'es pas de retour avec mon fric dans les 10 minutes, je vais t'arracher les yeux. Comme ça, tu ne te soucieras plus de ce que tu vois. C'est compris? Oui, monsieur Cobblepot. Désolé, monsieur Cobblepot. Un disque de données cryptées. On dirait qu'il fait partie d'un grand ensemble. Si j'en récupère assez, je pourrais sans doute lire le fichier. Bon, bah au moins, c'est bon à savoir de savoir que le pingouin a toujours son splendide doublage, et de deux, que les trophées de Enigma sont toujours dans les lieux. C'est moi ou c'était un deuxième trophée que je viens de voir? Non, c'était pas un trophée, un espèce de projo bizarre. Bref, alors voyons voir, il faut que j'aille au Toki. Je dois pouvoir l'atteindre d'un coup. Hop là. Toupidoupidou, dans la plus grande des discrétions. Et je ne peux pas le récupérer. Je vois. Bon, alors, c'est l'heure de l'élimination furtive. Voyons voir. 1, 2, 3, et là-haut, il y en a d'autres, mais ils sont beaucoup trop loin. Alors, comment je vais opérer? En plus, ils ont des flingues. Je vois. Discrétion. Je te botte les fesses. Boum. Boum. Et oui, je sais, j'aurais pu l'éliminer furtivement, mais sur le coup, j'ai pas su c'était quelle touche. On va faire ça pour le prochain, c'est pas grave. Voilà, normalement ils ont dû me perdre. J'espère. Et l'autre troisième Gugus, il est parti par là. Je vais aller m'occuper de lui, il est isolé. Voilà, ici je suis bien positionné. Alors, le troisième Gugus. La nuit. Yep, là. Et discrétion me fail, encore une fois, je suis désolé. C'est pas grave. Après tout, il est isolé, donc je devrais pas avoir trop de problèmes avec le dernier. Je te... fini. Voilà. Maintenant le dernier. J'aimerais au moins en faire un dans la discrétion. À toutes les unités, si vous êtes en 10-10, merci de signaler pour une éventuelle mission. Non, je suis pas en 10-10. Bien reçu. Mais c'est pas vrai. Pourquoi j'aurais su retourner au dernier moment? Méchant. Boum. Voilà. Ça t'apprendra à te retourner. Ah, crime en cours. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bah tiens, vous savez quoi? Je pense qu'on va avoir une autre opération. C'est le moment. On s'occupera de la mission principale après. Quoique, à la limite, je gagnerai du temps si je prends le Toki. Ouais, on va faire ça. Je vais chercher le Toki, puis après, on s'occupe du crime. En espérant que le crime soit pas fini d'ici là. Allez. On commence à descendre. Ah là. Yop, yop. Ah, mon Dieu. Et bon. Alors. Le Toki.
Alors, localisation ici. Les diffusions importantes sur cette fréquence seront interceptées. Je vois. Bien. Écoutez-moi tous. Je sais que je devrais annuler les combats annuels du Polar Deck après ce qui s'est passé ce soir à Jezebel Plaza. Te voilà. Mais pour vous montrer que je suis sympa, je n'annulerai rien. Alors montez à bord tout de suite si ça vous intéresse. Est-ce que c'est clair? Le pingouin se cachait sur ce vieux navire. Pas étonnant qu'il soit difficile à trouver. Ça y est les amis, on a localisé le pingouin. Et le crime en cours est terminé. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. À l'occasion, si on a de la chance, on en refera peut-être. Pour le moment, allons nous occuper du pingouin. En espérant qu'il pourra nous en apprendre plus sur Black Mask. Le pingouin a placé des snipers. Je vais devoir éliminer les snipers discrètement pour continuer. Alors, des snipers. Déjà, il n'y en a pas sur ce bâtiment. Par contre, là-haut, il y a énormément de bâtiments. Et là-haut, je vois un sniper. Ok. Là. Non, mais quelle espèce d'en... Douille ! Je suis où ? Il regarde là. Ça va pas ? Mais c'est Batman. D'accord ? Voilà, j'ai dit, j'ai peur de Batman. Relax. J'ai peur, moi aussi. Sérieux ? Ouais, c'est une machine de dingue. Je suis pas débile au point de croire qu'on peut le buter. Peut-être. Il ferait bien de songer à notre... Qu'on n'attire pas l'attention sur nous. Yop là. Ok, objectif, sniper. D'accord, en plus je vois les visées rouges. Allez, allez, allez. Voilà, grappin, parfait. Ok, le sniper, tu es à moi. Yop là, yop là. Donc si je me trompe pas, c'est Y pour endormir. Yop là. Tu dors. Ensuite, il y a un autre sniper là-haut. Est-ce qu'il est tout seul? Apparemment oui, il est tout seul, parfait. Yop là, direction le container. Voilà. Acheter un billet direction le soleil. Non, j'ai pas vu d'autres snipers. Ok, parfait, y'en a qu'un. Toi, mon gars, t'es à moi. Et voilà. Là. Ensuite, posé. Et tu dors. Voilà, parfait. Et à partir de là. Oula. Faut peut-être que je change de manette, non? Non, c'est bon? C'est bon, c'est bon. Attendez, je regarde, j'ai combien de piles. Ok, bon, ça devrait gérer. Si ça le refait une fois, je change de manette. Alors, voyons voir. Des hommes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et... C'est tout. Ah! Non, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Relais réseau. Envoie des réseaux de données, de l'infrastructure, réseau associé. What? Attendez. Peut-être que je peux le casser. Yop là. Quoi que ces relais protègent, ce doit être dangereux. Je dois détruire ce que je trouve. Ok, parfait. Bon bah je sais pas exactement ce que j'ai fait, mais au moins je l'ai fait. Alors voyons voir. Là il y a plusieurs points. Le problème c'est que... D'accord, ils se regardent pas. Je vais peut-être pas m'occuper de ces deux-là en premier. Quoique, ça va être l'occasion. Voilà. Tu dors. Ah ! Purée ! Je l'avais pas vu ! Ah ! Cours ! Cours ! Non ! Non, 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 non ! Ah purée, quelle andouille ! On est où? J'ai pas pris de cadeau à ma meuf. Vas-y, une bijouterie. D'accord, d'accord, je vois où on est. On retourne sur le bateau. Voilà. Et en passant, je vais mettre mon level up. Je suis désolé, sur cet épisode, j'assure vraiment pas. Toujours plus de défense. Voilà, parfait. Donc, ensuite, on va essayer de bien se les faire cette fois. Alors, faut pas que je confonde les touches aussi, c'est ça que j'arrête pas. Il y en a un qui est juste là, tout près. Mais tu peux peut-être m'occuper de lui. Sauf que je crois qu'il y a l'autre là-haut qui surveille. Ou pas, ça m'a l'air à peu près bon. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Ouais, je vais m'occuper de lui, il est isolé. Prends le risque. Non, on prend pas le risque, on prend pas le risque. Il commence à trop se rapprocher. Je vais me placer sur ce container, j'aurai une meilleure vue. Là. Alors, de ce côté-là, ils sont deux. Ok. Là, il y en a deux autres. Et là, deux autres. Bon, bah déjà, un truc est sûr, on oublie ces quatre-là. Je serais d'avis d'aller me faire celui qui est bien isolé là-haut. Ouais, en avant. Ah là. Ici, je suis pas mal. Toi, mon gars, tu vas dormir.
Et voilà, parfait, un en moins. C'est déjà ça. Hop là. Ensuite, ils sont plus que 5. Bah là, je peux m'en faire direct un deuxième. Ou pas. J'ai cru qu'il était de dos. Ah mon dieu. Tu dors. Couché. Voilà. Maintenant, le truc, c'est de se tirer le plus vite possible. Voilà. Allez, parfait, parfait, parfait. Normalement, là, ils me voient plus. Ok, ok. Va falloir que je me reconcentre. On retourne là-haut. Voilà. Ok, alors voyons voir. Normalement, ils sont encore 4. 1, 2, 3. Et ça, c'est un mec. Ça, c'est un mec. Et apparemment, il est en stress. Je pense pas qu'il osera bouger alors. Ah, andouille! Putain. C'est dingue comment les touches me reviennent pas aussi facilement que ce que je pensais. On va se faire celui-ci. Mon gars, tu vas dormir. Et hop là. Parfait. Discrétion, discrétion, discrétion. Il est bien isolé des autres en plus. Tu dors! Et voilà. Ensuite, le container. Voilà. Alors, voyons voir. Les deux à proximité du cadavre, enfin de l'homme qui dort, je vais pas les prendre. Toi! Pas dans le contrat, mais ça. Regardez purée. Bien. Si vous voulez pas finir comme ça, va falloir vous secouer les puces. Ok, toi, tu es ma cible. Mon gars, tu vas faire dodo. Tu dors. Voilà. Plus que deux. Hop là. Je reprends de la hauteur. Ok, parfait, alors voyons voir. Les deux sont quand même bien écartés. Sauf que là, ils viennent de se rapprocher. Comment je vais faire? Peut-être qu'avec de la chance, je peux les endormir en même temps. Ouais, mais non, ce serait... Ah, quoique. Non, c'est trop risqué, c'est trop risqué. Il y en a un qui va me fusiller quand je vais m'en prendre à l'autre. On va attendre qu'il s'écarte. Voilà, parfait. Il s'occupe encore du cadavre? Ah non. Il va peut-être m'occuper de celui qui est en hauteur. Ouais, on va faire ça. Je vérifie juste ce qu'il fait. Ok, parfait. C'est le moment. Yop, mais purée. Ici, vite, j'ai trouvé quelqu'un. Non, c'est pas vrai. Yop, là, tu dors. Ah, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Dépêche, dépêche, dépêche. Parfait. Yop, là, grappin. Et apparemment, son pote ne l'a même pas écouté, je vois. Ça fait du bien de se sentir aimé. Tu dors. Voilà. Ça y est, j'ai réussi à me faire tout le monde. Bon, disons que ça finit mieux que ça a commencé. Alors, voyons voir. Le point, il doit être près d'une porte. En bas. Voilà. En avant. Le pingouin, c'est moi. Tu veux t'en prendre une, Batman? J'en connais un qui a pris une batte pour un combat au couteau. Et je suppose que maintenant on va apprendre comment dévier un couteau. Yop là, yop là, ah. Bienvenue. Alors, bienvenue, ça te plaît? Vous savez, je m'amuse toujours beaucoup au premier round. T'es qui, toi? C'est pour ça que je regarde dans le coin. Vous sans oublier une femme de ménage pour nettoyer les dégâts. Ah, je crois que j'ai pas repéré que certains avaient osé parler sur eux. Vous êtes nul ou vous manquez de confiance. C'est pas des qualités appréciables. Je ferai le tri après le tournoi. Allez, commençons. Qui va passer à l'action? Le pingouin organise une sorte de tournoi. C'est là que je dois aller. À la limite, si c'est ouvert à tout le monde, moi je veux bien participer. Hein. Pingouin n'a fait que les tester pour l'instant. C'est lui! Bonjour! Boum! Tu dors! Toi, tu vas dormir aussi! Coucher! Ah ah ah! Ok, c'est l'heure d'enchaîner les combos le mieux possible. Esquive! Ah purée! Je compte toujours au mauvais moment. Boum! 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 Esquive! Watching! Watchang! Watchou! Watchang! Contre! Boum! Boum! Ah! Purée, je me le suis pris celui-là! Ok, ok, ok. On se reconcentre. Allez. Ça va passer. Boum. Reboum. Boum. 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 Parfait. Allez, allez. Boum. Et voilà. Ouf.
Bon, disons que j'arrive toujours à finir les combats, mais les combos, ça s'enchaîne pas, hein. J'y arrive pas. Bon, tant pis. Alors, voyons voir. Où c'est que se trouve le pingouin? Toutes les mains disponibles sont appelées sur le podcast à la salle des machines. Ah, d'accord. Donc, le navire est en train de couler, faut qu'on fasse vite. Ah, là, il y a un trésor. Sauf que je suppose que si je plonge dans l'eau, je suis mort. On tente? Ouais, non, ça va nous tuer, hein. Je pense que ça va nous tuer. Normalement, on a un pouvoir qui nous permet de geler l'eau. Mais je pense qu'on l'a pas encore, en fait. Allez, on tente. Juste pour voir. Ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais. Bon. Bon, au moins maintenant, comme ça, on en est sûr. Allez, on avance. Faudra que je pense à revenir, par contre. Mais je pense que je le ferai hors vidéo. Ça aurait aucun intérêt que je revienne, sinon. Je préférerais être en mission, en fait. Batman? Sans déconner! Je croyais que c'était une légende urbaine! Non, il... Bonjour messieurs! J'espère que vous allez bien. Service de maintenance, je veux bien voir. Mais c'est un super... Contre! Ah, mais purée! Il n'est pas passé le contre! Boum! Il y a plat! Boum! Et l'autre là-haut! Je vous ai vu. Allez. Voilà. Contre. Ah, purée. Et voilà. Ouf. Bon, disons que c'est passé du mieux que j'ai pu. Ah, ensuite. Ah, non. Purée. Le pire, c'est que je crois que j'ai compris ce qu'il fallait faire. Alors, donc, le bad cliff. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Je tire ce radeau. Voilà. Ok, parfait. Ensuite celui-ci. Voilà. Voilà, parfait. Ensuite celui-là. Voilà. Je décroche celui-ci. Et voilà. Bon. En fait, faut que j'aille moins vite parce que sinon ça passe pas bien. Comment ça peut-être? Et voilà. Ok, parfait. Voilà. Ah, ça y est, j'ai le ok, ça commence bien. Alors, voyons voir. Par ici, c'est pour faire demi-tour. Par là, c'est la suite. Bonjour, je cherche le pingouin. Bouge-toi, allez. Oh. Je crois qu'à partir de là, faut se faire tout petit. D'accord, les gars. Vous allez devoir vous faire humilier sans ma présence, bande de nazes. Je suis sûr que vous y arriverez. C'est des... Il est dans mon bureau et je ne veux pas qu'on me dérange. Tracy dirigera les combats jusqu'à mon retour. Le pingouin devrait être dans son bureau. Tracy peut m'aider à le rejoindre. Je vais la faire parler. Ok, d'accord. Compléter 14% de la base de données. Comment je récupère cela? En fait, je crois que je peux vraiment rien faire ici du moment que j'ai pas le pouvoir de givre. Bon, bah tant pis. Yop là. Hop là. Par contre, juste avant, j'aimerais savoir... J'aimerais avoir quelques données sur le pingouin. Purée, et j'arrive à rien. Alors, voyons voir, des données sur le pingouin. Profil. Oula, il y a beaucoup de personnages qui se sont déverrouillés depuis. Oh purée. Eh, ça fait du beau monde, hein. Ah ouais, Enigma. Oh, il a bien changé, hein. Oula, le pingouin aussi, il a changé. Je vous avoue que je le préfère quand même dans Arkham City, il avait plus la classe. Racketeur notoire, gnagnagna. Chef de gang en pleine ascension, relation étendue parmi la pègre. Malin et paranoïaque, c'est un ennemi difficile à combattre. Ok, bien reçu. Donc va falloir que je reste sur mes gardes. Yop là. Bonjour. Oula. Il y a du beau people. Une impression de déjà vu en fait. Il m'avait déjà fait ce coup là dans Arkham City. Bonjour. Maintenant accueillons un vilain, un vrai de vrai. Et il mérite un accueil comme il se doit. Pigez les gars. Tu m'as fait gagner pas mal de temps en venant ici, Batman. Je vais te tuer, puis je ferai repartir ton cœur. Et je te tuerai encore. Thank you.
suis à la recherche de Black Mask. Où est-il? Je suis pas là pour parler. Je suis là pour te buter. C'est ta dernière chance. Ce combat se prend en deux temps. Je te frappe, puis tu reçois 50 000 volts. Ok, bien reçu. Allez, viens me battre. Je t'attends, moi. Bon. Qui veut bien me montrer où se trouve le pingouin? D'accord, bande de monstres. C'est l'heure de gagner votre dîner. Bon, bah je vous l'avoue, je m'attendais pas à un boss aussi ridicule. En fait, c'était même pas un boss. C'était juste un mec qui était là pour parler. Le reste, il avait vraiment rien à voir. Boum, même ces mecs-là sont plus costauds que lui, c'est dingue. Boum, boum, y'a plat. Et voilà. Ah, toi mon cas. Et j'aime pas son couteau. Boum. Y'a plat. Esquive. Aïe, purée. Ça fait mal. Putain, ils sont trop écartés les uns des autres. J'arrive pas, hein. Y'a plat. Boum, boum. Esquive. J'ai pas réussi mon esquive, comme d'habitude. Bon, en même temps, à force, je vais bien m'y faire. Y'a plat. Y'a plat. Y'a plat. Et y'a voilà. Boum, boum. Y'a là. Et voilà. Boum, 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 boum. Y'a plat. Et y'a plat. Ah là. Ah là, je suis content là. Là, je fais des bons combos. Ah oui. Ah oui, oui. Ah, c'est bon, les amis. Ah merde. Purée, je tenais quelque chose de pas mal. Ah, je la sentais bien, celle-là, pourtant. Bon, tant pis. Ah, purée. Putain, à chaque fois, hein. Youp. Voilà. Voilà. Revoilà, revoilà, revoilà. Youp. Y'a plat. Boum, boum, boum. Quelqu'un d'autre? Oui. Boum. Y'a plat. Y'a plat. Y'a plat. Y'a plat. Y'a... Aïe. Toi, monsieur, tu m'embêtes. Boum, boum. Esquive. Y'a... Mais... Purée. J'arrive pas à esquiver au bon moment, c'est dingue, ça. Hein. Boum, boum. Y'a, y'a, y'a. Tu te couches. Et voilà. Ouf. Ça y est. Boum. Ok, le dernier. Boum. Aïe. Ok, viens battre. Viens te battre. Y'a plat. Boum, boum. Et boum. Non, c'est pas le dernier. Ah si, c'est le dernier. Où est Cobblepot? Je te dirai que dalle. Encore un peu de pression et je te brise le larynx. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord, c'est bon. Il est dans son bureau. On y entre uniquement par le théâtre, de l'autre côté du casino. Mais Tracy te laissera jamais passer. Tracy n'est pas un obstacle. C'était plus concluant que le dernier interrogatoire. Je ne vois pas qui est cette Tracy. Attendez, est-ce que j'ai une fiche technique sur elle? Ne serait-ce que pour en apprendre un minimum. Tracy, Tracy, Tracy. Ah, Tracy. Tracy, Tracy, Tracy. C'est qui cette madame? Tracy Buxton. Rusée, coriace, position de leader du second rang. Tracy a acquis son soin. Nénéné, opération pingouin grâce à son. D'accord, donc c'est le second du pingouin. Enfin, la seconde. Enfin, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Bonjour! Bonjour, bonjour, je viens de tomber sur l'atelier de torture. Trophée personnage déverrouillé, l'électrocuteur. Ouais, bah, juste comme ça, il était pitoyable. Alors, voyons voir, c'est par où la suite par là. Direction de la sortie. Ah ouais, apparemment. Couloir d'accès au pont. Bon, bah, pour le moment, ça va, ça gère. Niveau sup. Niveau sup, niveau sup. Je vais améliorer ça. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est? Perfectionner votre technique en défense... Terminant un contrôle âme par une élimination. Ah, ça à la limite, ça peut être bien. Ça peut être bien si j'y arrive. Sinon, ça sert à rien. Par là, je peux pas passer. Par ici, peut-être. Par là non plus. Bon, bah, je crois qu'on descend. Hop là, mais. J'ai dit, mais. Ah, purée, voilà. Fouf. C'est fou à quel point j'ai du mal à maîtriser ce Batman. Je le trouve beaucoup plus compliqué que dans les anciens. Hein. Bon, après, c'est peut-être moi. Si monsieur Cobblepot en finit avec son invité. Il découvre que notre bande de nuls a laissé Batman gâcher les combats du brûleur deck. Qu'est-ce qu'il va faire de vous, à votre avis? Réfléchissez, les gars!
À partir de là, je vais... Ah, là. Donc, attendez, le gel explosif. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Apparemment, il n'y a personne derrière. Bon, on s'écarte. Et voilà. What the bug de explosion de ouf. Ensuite, on continue par là. Ce Rafio va sûrement pas me manquer. Comment il appelle l'autre? Le Final Offer 2. Possible ce nom-là, le Final Offer. Point final, il peut pas y en avoir un autre. C'est vrai. Ça porte peut-être chance à nos prénoms. On en a besoin. Attendez, non. Batou, s'il te plaît. Je peux pas pirater ça, vous avez besoin d'un code de sécurité pour pirater la console. Mince. Bon. Donc tant pis, d'accord, maintenir et sauter, d'accord. Il faut que je longe le rebord. Ok, et ensuite. Et ensuite là-haut. Voilà, ça gère. Ensuite, ça gère. Voilà. Bonjour monsieur. Attendez, est-ce qu'il y aurait pas un moyen pour que je l'élimine sans que l'autre il le voie? Bon, tant pis. Au revoir. Allez, bande de nuls! On est en alerte rouge! Ils en font! Et que ça saute! Quelqu'un a vu l'intrus? Il est encore sur le bateau? Je déconne pas, les gars! Oui, il est encore sur le bateau et il cherche le Pingu! Qui aurait envie de venir sur ce Rafio? Tout ça fait partie du plan du pingouin. La question est, est-ce que Tracy peut l'arrêter avant qu'il atteigne le patron? C'est pas ça qui me pose problème. Tracy, c'est très bien ce qu'elle fait. C'est une dure à cuire. Eh oui, mais elle est pas dure à regarder. Ah ah. Le problème c'est que tout ça ne m'aide pas. Y aurait-il pas un moyen pour que je puisse passer tranquillement? Là, j'y a pas de ventilation. Non, bah je crois qu'il va falloir foncer dans le tas. Bon. Bombe fumigène. Y'a plein, je dois pouvoir. Voilà, la cale est juste ici. Boum. Ah là, il dort. Tu dors. Tac, tac. Esquive. Boum, boum. Ah, ah, ah. Faudrait peut-être que je m'occupe de lui. Boum, boum, boum. Tu te couches. Ah, aïe, purée, la contre est pas passée. Tant pis. Voilà. Et tu dors. Voilà. Parfait. Voilà, on voit pas trop ce qui se passe, je suis désolé. Boum, boum. Boum, boum, et boum. Et voilà. Ça y est, j'ai eu tout le monde. Hey, j'ai un message pour Batman. De la part de ton pote, l'électrocuteur. Il est sur pied, et il te dit que t'as fait gagner le round, mais que le combat est pas fini. Il te lâchera pas, Batman. Fais gaffe à toi. Bouchinski a repris conscience et il est en cavale. J'aurais dû le ficeler et dire à la police de le récupérer. Alfred, j'ai croisé un des assassins. Lester Bouchinski. L'électrocuteur, vous allez bien? Oui, mais il a réussi à fuir. Ses gants émettaient un fort signal électromagnétique. Si vous isolez ce dernier, je pourrais retrouver ce malfrat. Je vais m'en occuper. Où allez-vous maintenant? Je me dirige vers le casino du Final Offer. Je vais demander à l'assistante du pingouin de me conduire jusqu'à son patron. Oui, enfin, si on arrive à le finir comme la première fois, il y aura quand même pas de soucis à se faire. Hein. Je peux pas désactiver ce truc. Attendez, peut-être avec le batarang télécommandé. Non? Bon, bah je crois que c'est immortel, tant pis. Tant pis. Alors, on progresse. On progresse. Apparemment, faut retrouver l'électrocuteur, bon. Bon. Moi, il me fait pas spécialement peur, mais bon, c'est pas grave. Bonjour. Il n'y a personne. Pidou, pidou, yop. Bonjour. Ah, on est dans un bar. À partir d'ici, bah y a toujours personne en fait. Ah, le casino. Le casino. L'assistante du pingouin doit être tout près. Je vais lui demander où est le bureau de Cobblepot. C'est sûrement à Vinny. Il oublie toujours des trucs. Est-ce que je dois lui rendre? Tu déconnes? On doit bouger ce fric avant que la semaine déboule. Ouais, c'est vrai. Hey, tu penses. Merde, ils m'ont vu? Sérieux, ils m'ont vu? Oh purée, dommage! Je pensais me la faire discrètement. Je crois pas que ce sera l'aventure où je me la ferai le plus discrètement possible. Pourtant, d'habitude, je trouve que je m'en sors bien dans Batman, mais là. Je sais pas. Peut-être l'idée d'être en vidéo. Yop là, esquive! Ah, mon dieu! Boum, boum, et reboum! Allez, viens de battre.
Esquive. Boum. Et voilà. C'est vraiment très dur à la comprenette, hein. Monsieur Cobblepot veut pas de nouveau. On t'y hâte pour le voir. Alors tu peux faire demi-tour. Montrez-lui la porte, les gars. Bonjour messieurs, vous êtes venus vous battre. Bah tant pis pour vous, vous êtes pas venus au bon moment. Tu bouffes. Et voilà. Ah purée, la caisse n'est pas vue venir, j'avoue. Y'a plein. Purée, foutu caisse. Lâchez-moi ça, c'est pas bien. Y'a plein. Ah mon dieu. Ok, ça va gérer. Esquive. Bon, j'ai pas eu le temps d'esquiver. Aïe. Ouf. J'ai de la chance. Ah. J'ai de la chance. Depuis le début de cette aventure, en fait, j'ai beaucoup de chance. Yep. Ah, je commence à avoir le bon feeling. Faut que je garde ça. Yep. Esquive. Boum. Boum. Là. Boum. Allez. Voilà. Le flingue, il a pris. Et je dirais même plus, il a bien pris. Ah, toi. Tu me lâches la crapaud en douille. Mais. Purée. Voilà. Ouais, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Le couteau, je ne peux plus le voir. Yep, mais. Purée, je sais pas pourquoi il veut pas esquiver des fois. Je rêve ou quoi? Voilà. Ok, il en reste un. Et boum. On dirait que le bureau de Cobblepot est relié au théâtre. Et l'entrée est contrôlée depuis la salle de sécurité. Bon et bien sûr ce les amis, je vais vous laisser, j'espère que cet épisode vous aura plu, je sais que je suis vraiment très très mauvais au combat, il faut que je m'améliore. Donc sur ce, je vous laisse, moi je vais aller m'entraîner. Surtout n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire ou un petit pouce vert si ça vous a plu. Et surtout n'oubliez pas, portez-vous bien. Allez à plus tout le monde, c'était Sean Kazma. À vous les studios, ciao ciao.